Nous avons effectivement découvert des caches d'armes jusque très récemment, et j'espère que nous allons en découvrir beaucoup grâce au renseignement général et grâce à la police technique et scientifique. Donc effectivement, c'est peut-être le signe du grand banditisme, c'est aussi le signe, si vous voulez, qu'il y a des liens très directs entre la lutte contre les stupéfiants, sur lesquels nous progressons, sur lesquels nous avons des résultats, et puis ces trafics d'armes. Toutes ces choses-là sont très intimement liées, donc nous progressons, nos résultats sont au rendez-vous, peut-être est-ce une bonne nouvelle aussi, dans la lutte contre le trafic illégal d'armes. Nous n'avions jamais encore obtenu autant de bons résultats que cette année. C'est peut-être aussi parce qu'il y a plus de plus d'armes.